Bonjour. Je m'appelle Eve. Ouais. Salut. Allô, je veux dire bonsoir. Moi, c'est Florian. Super content de faire ta connaissance. Viens, assieds-toi. Moi aussi, je suis super heureuse de faire ta connaissance. C'est ce qu'ils m'ont dit de dire. Donc, c'est de toi que je dois tomber amoureuse? Ben, l'amoureuse, c'est un grand mot, là. Disons que je vais te montrer comment... C'est vrai, faut être plus précis. Tu vas me montrer comment tomber en amour? Le plaisir du futur. Ha! Public du monde entier, l'heure de vérité va bientôt sonner. Après des années de préparation et d'investissement du consortium AST ou Advanced Sex Technology, nous touchons enfin au but. Eve, que le public a vu naître et grandir, va maintenant vivre un moment déterminant de sa vie, la perte de sa virginité. Et ce, en direct sur le plus grand site de fantaisie pornographique au monde, AST.com. C'est donc ce soir que le gagnant de notre loterie spéciale, Florian, va devenir le premier homme dans la vie de notre belle Eve. C'est la première fois que je rencontre une fille comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire une fille qui n'est pas une vraie... une copie. Je veux dire... Tu trouves que j'ai pas l'air vraie? Vite de même, oui, là, c'est juste que, tu sais, t'as été conçue ou construite, je sais pas si t'es réelle ou non. Pas réelle. Touche ma main. Est-ce qu'elle a l'air vraie? Oui, oui, mais... T'en trouveras pas des plus vraies, des filles. J'ai toutes les caractéristiques de la gente féminine. Je suis la perfection. J'ai été conçue pour pallier aux faiblesses de l'être humain. Je suis plus vraie que vraie, plus performante que toutes celles qui m'ont précédée. Regarde-moi bien. Est-ce que tu me trouves belle? Oui, oui, t'es belle. T'es super belle, oui. Merci. C'est sûr qu'elle est vraie, notre belle Eve. Eve, c'est ni plus ni moins qu'une parfaite réussite scientifique. C'est le premier être humain à avoir été cloné et génétiquement modifié en laboratoire. Elle a grandi sous vos yeux pour devenir enfin la femme dont nous rêvions tous. Disons qu'elle est un savant mélange de tout ce qui constitue l'idéal féminin. Est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Pourquoi tu me demandes cette question-là? Ton comportement est étrange. J'ai remarqué que tes pupilles sont dilatées, puis que, visiblement, tes battements cardiaques ont augmenté depuis le début de notre rencontre. T'as des gouttes de transpiration qui coulent de chaque côté de tes tempes, et puis, depuis la dernière minute, t'as commencé à dégager une mauvaise haleine. Tous ces signes démontrent que t'es de plus en plus nerveux. T'es sûr que ça va? Quand ça va, là, ça va. J'ai juste pas l'habitude de vivre ça. Est-ce que c'est les premiers signes de ton amour pour moi? Regarde, Eve. T'es super belle, mais... Oh! Écoute, Eve, j'irai pas par quatre chemins. J'ai juste gagné un concours pour coucher avec toi. Je vais même être payée pour le faire. En ce moment, là, il y a des millions de personnes qui sont en ligne. Ils veulent nous voir nous regarder dans les yeux, nous minoucher un peu, mais ce qu'ils veulent surtout, là, c'est qu'on finisse par coucher ensemble pour te voir... te voir là, au complet, là. Écoute, Eve, depuis que t'es née, t'es une bête de cirque. Tout le monde te connaît. On t'a vu grandir, danser, faire du patinage artistique. Il y a toujours eu des caméras sur toi. C'est un spectacle. Écoute, je trouvais ça drôle quand j'ai gagné la loterie. Je me disais que ce serait le fun. Wow, je vais coucher avec une super belle fille. Sans doute le top que je peux avoir dans ma vie, mais... Mais là, ça n'a pas de sens. Je me sens mal. Je veux pas être celui qui te vole le dernier moment de ton intimité. Regarde, là, je vois qu'il y a un problème technique, les caméras sont éteintes. Je pense qu'ils nous voient plus. C'est le moment de refuser, de t'enfuir, de faire ce que tu veux.
Viens. Suis-moi. On leur donnera pas ce qu'ils veulent. Là, où c'est qu'ils sont rendus, là? Attendez, j'ai encore leur micro, de pas être très loin.